Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, alhamdoulilah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna alhamdoulilahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض اللهم عن صحابته الكرام الميامين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. الحمد لله. On se retrouve pour une nouvelle nuit bénie du mois du Ramadan. والحمد لله. On arrive à la 21e nuit du mois du Ramadan. Donc, subhanallah, les jours sont passés très vite, les nuits sont passées très vite. On arrive déjà aux 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et donc ce soir est une nuit impaire du mois du Ramadan. Donc c'est potentiellement Laylatul Qadr. C'est subhanallah. On est déjà dans ce moment où on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire de nous des serviteurs qui vont l'adorer comme il se doit durant ces nuits bénies, ces 10 dernières nuits bénies, Laylatul Qadr. Donc on va essayer d'en profiter un maximum, inshallah. Et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits bénies, puisque le mois du Ramadan est presque fini et c'est le moment où jamais de tout donner, inshallah ta'ala. Donc on va commencer avec la première page, inshallah. Donc on arrive au Hizb numéro 41. Pour ceux qui ont leur mushaf, vous pouvez aller aux pages 407-408. Et donc on est dans Surat Ar-Rum, la Surat numéro 30. Et on va écouter Cheikh Huzaifa nous réciter les versets allant de 30 à 39, inshallah ta'ala, de Surat Ar-Rum. Je vous laisse avec la récitation et on se retrouve tout de suite après, inshallah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى récompenser notre شيخ pour ces belles paroles, ces belles récitations, masha'Allah. Donc, comme chaque soir, on va essayer de s'arrêter sur un ou deux versets, inshallah, alors peut-être trois aujourd'hui, rapidement. Donc, on va aller au verset 37, inshallah, donc le deuxième partie de la page, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous interpelle et nous dit « Ne voit-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui distribue, qui fait descendre, qui donne le rizq, subhanallah, لِمَنْ يَشَاءُ, à qui il souhaite, وَيَقْدِرْ, et il est celui qui définit le rizq. Inna fi dhalika la ayat li qawmi yu'minun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous rappelle une chose fondamentale, c'est que il est ar-razzaq. Et d'ailleurs, comme je disais l'autre jour, alhamdoulillah, on a pu faire cette année quelques vidéos autour des noms d'Allah, des noms divins, et ar-razzaq en fait partie. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller voir cette vidéo sur le nom d'Allah Ar-Razzaq. Mais donc, ce qu'Allah nous rappelle ici, eh bien, c'est qu'il est celui qui donne le rizq. Il est celui qui distribue le rizq. Et parfois, les gens vont avoir tendance à se comparer les uns les autres, vont avoir tendance à se jalouser les uns les autres, vont avoir tendance à dire « Mais pourquoi lui, il a ça et pourquoi moi, j'ai ça ? Pourquoi je n'ai pas ça et pourquoi lui, il a ça ?» Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ici nous dit « يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Donc Allah est celui qui distribue le rizq comme il souhaite. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Allah est Al-Hakim, celui qui a la sagesse absolue. Al-Alim, celui qui a le savoir absolu. Celui qui distribue avec sagesse, avec savoir, avec miséricorde, avec justice et équité. Allah subhanahu wa ta'ala distribue le rizq. Et nous avons tendance à résumer le rizq à l'argent, alors que le savoir est un rizq, la foi est un rizq, les enfants sont un rizq, la santé est un rizq, l'état psychologique est un rizq, le bonheur et la joie est un rizq, le sourire est un rizq, l'apaisement du cœur est un rizq, la réussite dans mes projets est un rizq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des choses et il dit « wa yaqadir », il est celui qui définit ce rizq. Donc ici, Allah nous rappelle deux choses très importantes. La première, mon rizq est garanti, c'est lui qui me le donne, c'est lui qui l'a défini. Il est défini, il est comptabilisé, il est prescrit. Mon rizq est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aurai exactement ce que Allah m'a inscrit. La deuxième chose, c'est que ce rizq vient de lui. Il ne vient pas de nous, il ne vient pas des autres, n'allez pas chercher chez les autres. Sachez que le rizq vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous aurez votre part du rizq quoi qu'il arrive. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est là où je voulais en venir en vérité, c'est que Allah dit juste après فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ. Subhanallah. Allah est en train de nous parler de ce qu'il va nous donner à nous. Allah est en train de me dire
Walid, je suis celui qui te donne ton rizq. Et je suis celui qui le fait descendre des cieux vers toi. Et je suis celui qui va le définir. Et il y a en ça des signes pour des gens qui ont la foi, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah vient de me donner mon rizq. Dans le verset 37, je viens d'obtenir mon rizq, la garantie que mon rizq est entre mes mains. Allah me l'a donné. Et qu'est-ce que Allah me dit juste après ? فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ Subhanallah. Allah me dit, c'est bon, tu as ton rizq ? Alors maintenant, distribue-le. Moi, je suis Ar-Razzaq. Et j'ai distribué le rizq sur l'humanité tout entière. Mais Ar-Razzaq a décidé de nous nommer responsables du rizq d'autres personnes. Pour nous dire que ce que je vous ai donné ne vous appartient pas. Ce qu'il y a dans votre poche ne vous appartient pas. Ce qu'il y a dans votre compte en banque ne vous appartient pas. Ce que vous buvez, ce que vous mangez, ce que vous avez comme argent, ce que vous avez comme santé, ce que vous avez comme énergie, ce que vous avez comme travail, tout ça ne vous appartient pas. Tout ça est une amana. Tout ça est quelque chose que Allah vous a donné pour que vous puissiez le gérer. Et dans ce que je vous ai donné à gérer, eh bien, il y a une partie que vous pouvez vous octroyer, qui vous revient à vous, et il y a une partie qui n'est pas à vous. Puisque Allah dit « haqqahu », « haqqahu », son droit. Il dit « zal qurba wal miskin wa ibn as-sabil » dans ce verset. Dans d'autres versets, il y a d'autres catégories. Mais Allah est en train de nous dire que il y a des personnes qui sont proches de nous qui n'ont peut-être pas de quoi manger, de quoi boire, qui sont peut-être dans la difficulté financière, qui sont peut-être dans la détresse, qui sont peut-être malades et qui ont besoin d'aide financière. Il y a des gens qui sont des démunis, al-miskin. Al-miskin est quelqu'un qui n'a même pas de quoi finir ou d'obtenir sa journée de besoins essentiels. Al-miskin est quelqu'un qui, malgré qu'il a envie de travailler, malgré qu'il a envie d'œuvrer, de s'en sortir, eh bien, ne s'en sort pas. Est éprouvé, il n'y arrive pas. Parce que peut-être qu'il n'a pas de travail, peut-être qu'il est fortement malade et que ça l'empêche de travailler, peut-être qu'il est à la rue, peut-être qu'il vit une situation, une épreuve tellement difficile qu'il n'arrive pas à s'en sortir psychologiquement, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison, il est dans un besoin intense. Et Allah nous parle aussi de Ibn Sabil. Ibn Sabil, ce sont les voyageurs. Ce sont les gens qui ne sont pas de chez nous, qui ne sont pas de notre pays, pas de notre région, mais qui sont de passage. Qui sont de passage. Et subhanallah, ces versets sont révélés il y a 1400 ans, et aujourd'hui, il y a des réfugiés partout dans le monde, subhanallah. Comme si Allah nous disait, finalement, ces versets sont universels et sont éternels. Jusqu'au jour du jugement, il y aura des gens qui devront fuir leur pays. Jusqu'au jour du jugement, il y a des gens qui devront quitter leur pays pour rechercher la sécurité, la paix, rechercher l'argent, rechercher leur rizq ailleurs que chez eux. Parce que chez eux, ils sont martyrisés, parce que chez eux, ils sont maltraités, parce que chez eux, c'est la guerre, parce que chez eux, c'est la famine, parce que chez eux, c'est la pauvreté, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Ibn Sabil fait partie des gens qui sont dans le besoin parce qu'il arrive dans un pays qui n'est pas le sien. Il n'a pas de maison, il n'a pas de travail, il n'a pas d'amis, il n'a pas de réseau, il n'a personne. Il arrive à la recherche d'une nouvelle vie. Subhanallah. Et donc Allah nous dit, ces gens-là sont dans le besoin. Et ce que je disais tout à l'heure, Allah nous dit, haqqahu, encore une fois, tous ces gens ont un droit sur nous. Ont un droit sur nous, subhanallah. Et regardez ce que Allah nous dit. ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Donnez à ces gens-là, distribuez l'argent qu'Allah m'a donné, le risque qu'Allah m'a donné, et le rendre à ceux à qui de droit, eh bien, est la meilleure des choses à faire pour qui ? الَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. Ceux qui recherchent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah utilise le mot « visage » en parlant de son visage très souvent dans le Coran, en vérité, ce que ça signifie, c'est « recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Recherche de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Recherche le fait qu'Allah soit content, soit fier d'eux lorsqu'il les voit. Recherche son agrément, recherche son regard. Comme lorsque un enfant fait quelque chose
qu'il a réussi à faire une prouesse, il a réussi à écrire son nom, il a réussi à faire un beau dessin, il a réussi à faire une galipette, et qu'il va appeler ses parents pour que ses parents regardent ce qu'il fait. Et lorsque ses parents sont sur le téléphone, eh bien, il va dire, regardez-moi, regardez-moi. Pourquoi est-ce que l'enfant nous dit, regardez-moi? Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est pas grave, et c'est bon, il commence à faire sa galipette, et puis je retourne ma tête et je regarde autre chose. Et l'enfant regarde et lui dit, regarde-moi, papa, regarde-moi, maman, regardez ce que j'arrive à faire. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il recherche dans le visage de ses parents la satisfaction. Il recherche le sourire. Il recherche le regard de l'attention. Il recherche le sourire qui montre qu'on est fier de lui. Il recherche ce sourire qui montre qu'on est content de lui, qu'on est satisfait de lui, qu'il a fait quelque chose de beau. Et donc lorsque Allah nous dit « Yuriduna wajh Allah », ça signifie qu'on sait qu'Allah nous observe et qu'on est fier de montrer à Allah ce qu'on fait, qu'on a envie qu'Allah nous regarde et qu'Allah nous regarde avec l'œil de la miséricorde, avec l'œil de la fierté, avec le sourire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah sourit parfois lorsqu'il voit son serviteur. Lorsque son serviteur se repent, par exemple, Allah sourit au repentir de son serviteur. Donc on recherche le visage d'Allah et la satisfaction dans le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez le verset d'après, il répond à une problématique qui est dans nos cœurs, à une maladie du cœur. Une maladie qui nous dit, j'aime mon argent. Une maladie qui me dit, j'aime ma santé. J'aime mon énergie. J'aime mon temps. Et si je dépense de mon temps, de mon argent, de ma santé, de mes horaires, de mes nuits, de mon travail, eh bien tout ça va diminuer. Et si tout ça diminue, alors je suis en train de perdre. Par le rationalisme, je suis en train de perdre de l'argent. Quand je donne, je perds de l'argent. Et regardez ce que Allah nous dit. وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ Lorsque vous donnez de l'argent avec intérêt, avec riba, pour qu'il puisse augmenter. Donc la pratique qu'il y avait à l'époque, c'est je te prête 100 euros, je ne vais pas te donner, je te prête 100 euros pour te dépanner, mais tu me les rends 150, tu me les rends 110. Pourquoi? Du coup, c'était un bon commerce que de prêter. Que de prêter. D'ailleurs, c'est pour ça que les banques prêtent aujourd'hui. Les banques aujourd'hui, alhamdoulilah, nous prêtent parce que c'est un bon commerce, parce qu'on fait beaucoup d'argent en prêtant aux gens et en récupérant des intérêts par-dessus. Donc Allah nous dit, si vous donnez, si vous prêtez avec l'objectif justement de faire augmenter votre capital et de récupérer al-riba, l'argent, ce surplus dans ce qu'on vous rend, alors sachez une chose, fala yarbu indallah. Ceci n'est pas quelque chose qui évolue, qui est gratifiant, qui est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Mais ce que vous donnerez de zakat, donc ce que vous donnez sans rien attendre en retour, ce que vous donnez aux pauvres, aux démunis, حَقَّهُ, parce que c'est son droit, parce que c'est son droit, c'est pas votre argent, c'est le sien. Ce que vous donnez à ces gens-là, pour quelle raison? Turidu nawajh Allah. Pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand je donne de l'argent et que je n'attends rien en retour, eh bien j'attends quelque chose. C'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je sais que je n'ai pas de retour sur investissement. Cet argent-là, je vais donner 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, n'importe. Je vais sortir cet argent sachant pertinemment qu'il est perdu. Sachant pertinemment que ce pauvre ne va pas me le rembourser. Sachant que c'est un don contre rien en retour. Alors qu'est-ce que j'attends en retour? La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, pour nous corriger notre compréhension de l'économie, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ أَضْعَاف, ça veut dire multiplier, ça veut dire en puissance. Lorsque je fais quelque chose qui est مُضَعَّفَ, ça veut dire que je l'ai multiplié par des multiples, ça veut dire que je vais faire 1000 euros puissance 2 au carré, au cube, puissance n, si vous voulez, 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Ce sera multiplié par Allah subhanahu wa ta'ala à un point que vous n'imaginez même pas, subhanallah. Donc, pourquoi est-ce que je me suis arrêté sur ces versets? Parce que c'est des versets qui nous rappellent
Encore une fois, que notre société, dans la vision islamique de la société, est une société solidaire, est une société où on se doit de penser aux plus démunis. C'est déjà notre rôle d'être humain, de nature humaine, de solidarité humaine, de fraternité humaine, que de penser aux personnes qui sont dans la rue, de penser aux personnes de ma famille qui n'ont pas, qui sont dans le besoin, de penser aux réfugiés, de penser aux orphelins, de penser à tous ces gens-là qui sont dans le besoin et de leur donner. Et si je peux leur donner plus, alors je leur donne. Et si je ne peux pas leur donner plus, alors le minimum, c'est de leur donner leurs droits. Leur droit, c'est la zakat. Leur droit, c'est la zakat. Et nombre de musulmans ne payent pas leur zakat, subhanallah. Et Allahu a'lam, je pense que si le milliard et quelques de musulmans payaient leur zakat comme il se doit, peut-être qu'il n'y aurait plus de pauvres sur terre. Peut-être qu'il n'y aurait plus de pauvres sur terre. L'objectif numéro un de la zakat, c'est de sortir les gens de la galère, de sortir les gens de la pauvreté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est comptabilisée sur un an, zakatul mal. Pour qu'on puisse, si possible, donner un an de zakat à quelqu'un qui le sortira de la galère pendant un an. C'est l'objectif de la zakat, initialement. C'est sortir les gens du besoin, de la galère, de cette situation où ils ne peuvent rien faire. Subhanallah. Et donc du coup, je m'invite moi-même, là on rentre dans les 10 dernières nuits, donc je vais en profiter aussi pour quelquefois faire un parallèle entre ce qu'on dit dans les versets et les conseils des 10 dernières nuits. Une des choses que je m'invite moi-même à faire et chacun d'entre nous, c'est de faire un don chaque nuit qui reste avant la fin du mois du Ramadan, inshallah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Qadr, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadri est meilleure que 1000 mois. Et 1000 mois, ça équivaut à 30 000 nuits, plus de 30 000 nuits, subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je donne 1 € chaque nuit des 10 dernières nuits et que je le fais, eh bien je suis sûr, inshallah ta'ala, que je l'aurai fait au moins pendant une nuit qui sera Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est peut-être ce soir, mais c'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, c'est peut-être la nuit du 25, du 27, du 28, du 29, Allahu a'lam. Donc comment être sûr de gagner la récompense de Laylatul Qadr? En faisant des actions tous les soirs, toutes les nuits. On ne néglige aucune nuit. On ne va pas viser les impairs, on ne va pas viser les 27, on ne va pas viser les 29, on va viser les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Parce que Allah dit « Wal fajr wa layalin ashr » Allah jure par les 10 dernières nuits. Il jure par les 10 dernières nuits. Et Laylatul Qadr est dans les 10 dernières nuits. Alors oui, on peut viser, on peut optimiser, mais quelqu'un de sage assure la sécurité. La sécurité, c'est d'adorer Allah pendant ces 10 dernières nuits, inshallah ta'ala. Et une des adorations qui est recommandée pendant le mois du Ramadan, et en particulier pendant les 10 dernières nuits, c'est le don, inshallah ta'ala. Donc essayons de faire des dons, et essayons de le faire chaque soir, ne serait-ce que 1 euro, essayons de le faire entre l'Isha et le Fajr, comme ça tombe pendant Laylatul Qadr, et comme ça, eh bien, si je donne 1 euro, c'est comme si j'avais donné 30 000 euros. Qui est capable de donner 30 000 euros, subhanallah? Subhanallah. Allah nous donne la capacité de donner plus de 30 000 euros, ne serait-ce qu'avec 1 euro de don pendant Laylatul Qadr, et de ne pas oublier ces personnes-là, les plus démunies, dans nos invocations, inshallah ta'ala. On va passer au deuxième passage, inshallah. Donc on arrive à sourate As-Sajda, Hizb numéro 42. Donc pour ceux qui ont leur mushaf, encore une fois, vous pouvez aller aux pages 415, 416 de votre mushaf. Et donc ce soir, masha'Allah, on diffuse virtuellement depuis la mosquée de d'Ivry-sur-Seine. Alhamdulillah, puisse Allah subhanahu wa ta'ala récompenser les frères, les sœurs, les fidèles, les bénévoles, les responsables de cette mosquée et de toutes les autres mosquées qui nous accompagnent pendant ces nuits bénies. Et donc on a Cheikh Abdelrahim, l'imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine, qui va nous réciter les versets allant de 11 à 20 de Sourate As-Sajda, Inch'Allah. Je vous laisse avec lui et on se retrouve juste après. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Allah subhanahu wa ta'ala récompensé Cheikh Abdelrahim pour ses belles récitations, inshallah. Donc, on va s'arrêter un peu sur cette page, inshallah. Et
La page est pas mal, contient pas mal de leçons pour les 10 dernières nuits. Donc, je vais prendre un peu plus de temps, Inch'Allah, pour ra passer rapidement sur quelques versets choisis dans la page. Le verset 11 commence le passage et Allah nous dit: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset numéro 11, nous rappelle une vérité absolue, c'est que l'ange de la mort viendra prendre notre âme un jour ou l'autre. C'est que l'ange de la mort a été nommé responsable par Allah subhanahu wa ta'ala de collecter les âmes pour les faire revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ila rabbikum turja'un. Vous allez revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque je lis ce verset durant ces 10 dernières nuits du mois du Ramadan, eh bien, je me pose la question, est-ce que moi, Walid, j'aurai la possibilité de vivre d'autres nuits du mois du Ramadan? Est-ce qu'on aura la possibilité de vivre jusqu'au Ramadan prochain? Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir une nouvelle chance d'attraper les bénédictions de Laylatul Qadr? قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. L'ange de la mort va venir à nous. Peut-être qu'il va venir aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne sait pas. Mais notre devoir en tant que musulmans, eh bien, c'est de nous y préparer chaque jour. Et lorsque on sait le nombre de personnes qui sont décédées ces 2 dernières années, le nombre de personnes qui sont décédées à cause du Covid, le nombre de jeunes, de vieux qui étaient avec nous il y a un an, qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, eh bien, la raison voudrait qu'on se prépare. Ensuite, si on passe au verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans sourate As-Sajdah les croyants. Et il nous dit que ceux qui ont réellement la foi, innama yu'minu bi ayatina, ceux qui croient réellement en Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina idha dhukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah nous dit qu'un des signes de la foi intense du croyant, c'est que lorsqu'il entend les signes d'Allah, lorsqu'il entend les miracles d'Allah, lorsqu'il entend les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont récités, lorsqu'il est rappelé par la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on lui rappelle que Allah est le miséricordieux, qu'on lui rappelle sa grandeur, qu'on lui rappelle qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'on lui rappelle qu'il est celui qui pardonne chaque chose, qu'on lui rappelle qu'il est celui qui est Ar-Razzaq, celui qui m'a donné, celui qui m'observe, celui qui m'aime plus que mes propres parents. Qu'est-ce qui leur arrive? Kharru sujjada. Ils s'effondrent en prosternation. Ils s'effondrent littéralement. Kharru signifie s'effondrer littéralement. Je tombe littéralement en prosternation devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant le miracle de ses versets, le miracle du Coran, subhanallah. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Les mots qui leur viennent à la langue, c'est Subhanallah, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ils sont humbles, ils sont modestes, ils sont en humilité devant la grandeur et les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les 10 dernières nuits, et Laylatul Qadr, est un moment propice à la prosternation. C'est un moment propice pour mettre notre front au sol et lui dire Subhanaka ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est un moment propice pour se prosterner devant Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prosternation est ce moment où le serviteur est le plus proche de son créateur, où je me prosterne, où je lui raconte ce que j'ai sur le cœur, où je vais lui dire ya Allah, j'ai des problèmes, ya Allah, aide-moi, ya Allah, je me sens mal, ya Allah, je veux aller au paradis, ya Allah, évite-moi l'enfer, ya Allah, permets-moi de vivre Laylatul Qadr, ya Allah, ne me prive pas de Laylatul Qadr, ya Allah, ne nous prive pas de Laylatul Qadr, ya Allah, fais qu'on sorte du mois du Ramadan en ayant gagné ta satisfaction, en ayant gagné ton agrément, en ayant gagné ton pardon. Parce que ya Allah, si on sort du mois du Ramadan sans avoir gagné ton pardon, alors on fera partie de ceux qui auront tout perdu. On aura jeûné, on aura prié, on aura donné, on se sera fatigué pour rien.
parce qu'on n'aura pas gagné ton pardon, ya Allah. Alors ya Allah, on sait que tu es le miséricordieux. On sait que tu es celui qui nous donne plus que ce qu'on mérite. On sait que tu es celui qui va être indulgent envers nous parce qu'il y a eu des jours de manquement, parce qu'il y a eu des jours où on ne s'est pas levé, parce qu'il y a eu des jours où on s'est endormi, parce qu'il y a eu des jours où on t'a oublié, parce qu'il y a des jours où on était sur le péché. Mais malgré tout cela, ya Allah, on te dit Alhamdulillah wa Subhanallah et on t'invoque ya Rabb al-Alamin. Allah dit au verset 16, Tatajafa junubuhum anil madaja, yad'auna rabbahum khawfan wa tama'a. Subhanallah. Allah nous décrit ses croyants en nous disant Tatajafa junubuhum anil madaja. Leur corps s'arrache littéralement de leur lit. Subhanallah. Des gens qui se lèvent la nuit, des gens qui ont envie de dormir, des gens qui sont dans un sommeil profond, qui ont du mal à se réveiller, qui ont du mal à ouvrir les yeux. Mais malgré cela, ils vont s'arracher de leur lit. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce verset numéro 16 me fait penser qu'un des conseils importants des 10 dernières nuits, essayons de nous lever dans le dernier tiers de la nuit. Essayons de nous lever dans ce moment où Allah descend au ciel de la dunya, où il dit « Hal min da'in fa'astajib lah »« Hal min mustaghfirin fa'aghfir lah » Subhanallah. Allah descend au ciel le plus proche de nous dans ce dernier tiers de la nuit pour poser la question à ces créatures qui dorment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Allah nous parle dans le dernier tiers de la nuit. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps que lorsque Allah nous parle, on soit là pour lui répondre? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps que lorsque Allah descend à nous pour nous observer et nous parler, on soit éveillé pour lui répondre? Billahi alaykum. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps dans ces 10 dernières nuits de se réveiller un petit peu avant le fajr pour prier à Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier tiers? Et vous allez me dire, oui, mais on est fatigué, on travaille, on jeûne, on ne mange pas, on a des soucis, on a les enfants à gérer. Oui, je sais. Oui, je sais tout ça. Mais ce sont 10 nuits. 10 nuits sur 365. Est-ce qu'on ne peut pas se fatiguer un peu plus pendant 10 nuits? Est-ce qu'on ne peut pas faire 2 rak'at? 2 rak'at avant le fajr. 2 rak'at, 10 minutes. Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller? Est-ce qu'on ne peut pas s'arracher de nos lits 10 minutes pour Allah subhanahu wa ta'ala? Yad'ounahu khawfan wa tama'a. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrachent de leur lit pour invoquer Allah? Et pourquoi est-ce qu'il l'invoque? Par crainte et espoir. Ya Allah, on espère ton paradis. Et ya Allah, on craint ton châtiment et ton enfer. Ya Allah, on souhaite ton pardon. Et ya Allah, on a crainte de se retrouver le jour du jugement avec des montagnes de sayyi'at, des montagnes de péchés, ya Rabb al-Alami. Ya Allah, on souhaite ta guidance. On a l'espoir pour que tu nous guides. Et ya Allah, on craint l'égarement. Ya Allah, on a l'espoir que tu donnes vie à nos cœurs, que tu éveilles nos cœurs, que tu fasses rentrer le cœur, le Coran dans nos cœurs. Et ya Allah, on a la crainte d'avoir des cœurs durs, des cœurs qui ne te connaissent pas, des cœurs qui s'éloignent de toi, des cœurs qui sont plus durs que la pierre. Ya Allah, on se lève, on s'arrache de nos lits pour t'invoquer avec crainte et espoir, ya Rabb al-Alamin. Allah nous dit, verset 17, « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Il n'y a pas une personne sur terre, un être, un ange, un djinn, une créature, qui que ce soit dans la création, qui sait, qui connaît, qui peut estimer la valeur de la récompense que Allah réserve à ces gens-là. Ma ukhfi lahum. Allah nous a fait un cadeau. Allah nous a caché notre récompense dans un paquet cadeau. Ukhfi lahum min qurrati a'yun. Un cadeau qui est plein de bonheur, de joie et de bonheur. Jaza'a
bima kanu ya'malun, en récompense de leurs actes, subhanallah. Allah est en train de nous dire, je vous ai préparé avec mes propres mains un cadeau inestimable que personne ne peut imaginer, que personne ne peut imaginer. Et je l'ai caché et je l'ai embelli. Et ce sera votre plus grande source de bonheur au paradis pour ce que vous faisiez. Subhanallah. Subhanallah. Donc la question que je me pose et que je pose à chacun d'entre nous, on est dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Alhamdoulilah, le adhan a dû passer depuis 6-7 minutes maintenant. On rentre dans une des premières nuits des 10 dernières nuits. On est actuellement dans la nuit du 21, qui est peut-être Laylatul Qadr. Il est peut-être là maintenant déjà Laylatul Qadr. Peut-être que les anges sont parmi nous. Peut-être que Jibril alayhi salam est déjà descendu sur terre. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala nous observe actuellement avec la volonté de décupler l'ensemble des œuvres qu'on va faire durant les 10 nuits qui restent. Est-ce qu'on va regarder ces nuits passées sans rien faire? Ou est-ce qu'on va retrousser nos manches? Est-ce qu'on va suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui retroussait ses manches pendant les 10 dernières nuits, qui donnait vie à ses nuits pendant les 10 dernières nuits, qui réveillait sa famille pendant les 10 dernières nuits, qui redoublait d'adoration pendant les 10 dernières nuits, qui redoublait de sadaqat pendant les 10 dernières nuits, qui redoublait de Qur'an pendant les 10 dernières nuits? Est-ce qu'on va suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vivre ces 10 dernières nuits en essayant, incha'Allah ta'ala, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas jouer au loto avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas le moment de miser sur une nuit. C'est pas le moment de miser sur une nuit. C'est le moment d'assurer nos arrières. Parce que le premier verset dit « قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ ». C'est le moment d'assurer nos arrières au cas où la mort nous toucherait bientôt. C'est le moment d'œuvrer pendant les 10 dernières nuits. Et donc ce que je m'invite moi-même, le premier et chacun d'entre nous à faire, vraiment en termes de conseils pratiques, eh bien, on a fait ce qu'on a pu pendant les 20 premières nuits. Pour ceux qui ont été négligents pendant les 20 premières nuits, c'est le moment où jamais de se réveiller. Et pour ceux qui, alhamdoulilah, n'ont pas été négligents pendant les 20 premières nuits, c'est le moment où jamais de redoubler d'efforts. Parce que les 10 dernières nuits ne sont pas comme les autres. Parce que Laylatul Qadr, il n'est pas une nuit comme les autres. Parce que Laylatul Qadr, il vaut l'équivalent de 30 000 nuits, il vaut l'équivalent d'une vie, 83 années. Ce n'est pas une nuit comme les autres. On ne peut pas se comporter avec elle comme une autre nuit. C'est pas normal. C'est pas correct. C'est pas à la hauteur de cette nuit. Donc essayons durant les 10 dernières nuits qui nous restent, incha'Allah, d'avoir un moment de qiyam après l'Isha, d'avoir un moment de qiyam avant le Fajr, si possible, ne serait-ce que 2 raka'at. Et essayons de compenser en faisant des siestes dans la journée, en essayant de manger moins après l'Iftour pour ne pas être KO avec la digestion. Essayons de faire une sadaqa tous les soirs, toutes les nuits, entre l'Isha et le Fajr. Essayons d'avoir peut-être un moment d'adoration en couple, en famille, pour réveiller la famille, pour Laylatul Qadr. Essayons de redoubler d'efforts, incha'Allah ta'ala, et de miser sur les 10 dernières nuits. Et quand on dit faire vivre ces nuits, ahya laylahu, c'est pas forcément que des prières. Ça peut être un moment de prière, un moment de zikr, un moment de lecture de Qur'an, un moment d'istighfar, un moment de Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. L'invocation des 10 dernières nuits, c'est juste donner vie spirituelle à nos nuits. Pas forcément uniquement en prière et en prière. On peut, si on veut, diversifier les adorations du moment qu'on reste connecté à Allah comme on le peut pendant ces 10 dernières nuits, incha'Allah ta'ala. Je ne vais pas m'attarder plus pour qu'on puisse, incha'Allah, profiter de ces nuits bénies, tous. Donc on va passer au adhan, incha'Allah ta'ala, qui est passé depuis 10 minutes, alhamdoulilah. Puis ensuite, on clôturera avec les invocations de notre cheikh avant de pouvoir tous aller profiter de nos adorations, incha'Allah ta'ala. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت On va passer aux invocations, Inch'Allah Ta'ala. Comme chaque soir, je vous invite à vous concentrer avec les invocations, à dire Amin avec votre cœur, Inch'Allah Ta'ala, derrière notre Cheikh Hudhaifa, puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala le récompenser pour ses invocations. Bismillah. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والسماء حق والأراضين حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك تحاكمنا وإليك تحاكمنا فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت الله لا إله إلا أنت على كل شيء قدير سبحانك يا علام الغيوب سبحانك يا علام الغيوب يا من تقول للشيء كن فيكون يا من خلقتنا ورزقتنا وأحييتنا وتميتنا أمتنا يا ربنا على قول لا إله إلا الله اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا
إله إلا الله أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا يوم القيامة في زمرتها وتحت لوائها أسكننا بها الجنات أسكننا بها الجنات حرم بها أجسادنا على النار حرم بها أجسادنا على النار اجعلنا بها في الدنيا سعداء واجعلنا بها في القبور سعداء واجعلنا بها بين يديك يوم القيامة سعداء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense notre shaykh pour ses invocations. Donc comme je vous le disais, je vais vous laisser, inshallah, pour cette 21e nuit du mois du Ramadan. Essayons d'en profiter comme si c'était Laylatul Qadr. Essayons de profiter de chacune des 10 dernières nuits comme si c'était Laylatul Qadr. Même si on arrive à la fin du Ramadan, même si on est fatigué, essayons de nous remotiver, de nous rebooster, inshallah ta'ala, de donner ce qu'on a de meilleur dans ces 10 dernières nuits, en espérant ressortir du mois du Ramadan avec la plus belle des récompenses qu'Allah nous aura préparées au paradis, le bonheur éternel, inshallah ta'ala. Je vous dis à demain, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.